Notre expérience, elle a fait écho justement par rapport au thème des universités de la Nap. Construire des dynamiques collectives durables au bénéfice de tous était un appel à candidature évident pour nous, les acteurs de l'interfilière gérontologique du Sud-Isère. Nous, c'est-à-dire, c'était le professeur couturier, Brigitte Lostros du CHU de Grenoble, Véronique Deléris de la Mairie et moi-même, voulions mettre à l'honneur et en lumière les réussites des acteurs du soutien à domicile du Sud-Isère. Petite parenthèse sur ce qu'est l'interfilière gérontologique du Sud-Isère. Dans notre programme régional de santé et l'ARS et notre schéma autonomie du département de l'Isère, il est posé comme principe que le parcours de vie de la personne âgée est autant sanitaire que médico-social. Aussi, le copilotage de l'animation territoriale s'y rapportant, ses travaux, la mobilisation des ressources sont entre autres assurés par le CHU de Grenoble via le service universitaire gériatrique du professeur Couturier, porteur de l'équipe mobile gériatrique, et par le département de l'Isère via le pilotage Maya, poste que j'occupais en tant que responsable du dispositif Maya Gestion de cas. Notre expérience, notre dynamique, elle est donc une expérience collective, interprofessionnelle, interdisciplinaire et interterritoire. Le tous de construire des dynamiques collectives durables au bénéfice de tous est en première intention pour les professionnels du soutien à domicile confrontés à des situations ressenties comme complexes et de ce fait le tous concerne alors qualitativement les parcours patients, personnes âgées de plus de 60 ans à domicile. Notre volonté lors de cette expérience était de consolider et de créer de véritables équipes territoriales, communautaires, interdisciplinaires sur un bassin de vie autour et avec le patient. Les parcours patients de la personne âgée créent involontairement des équipes d'acteurs qui doivent se coordonner, des fois dans l'urgence, pour répondre aux risques ou aux ruptures du parcours. Pour que ces moments de coordination soient efficients, apprendre à travailler en équipe entre acteurs qui ne partagent pas le même cadre d'exercice de leur mission, sans pression, pour créer une intelligence collective propre au territoire et l'enjeu des coordinations territoriales du Sud-Isère, qui était notre expérience. Ce sont des dynamiques de coopération qui créent des unités de temps et de lieu, propices au dialogue interprofessionnel, à l'interconnaissance et donc à la coordination interdisciplinaire. Le cap des coordinations territoriales du Sud-Isère, co-construire un espace, un lieu et donc des relations de confiance où l'acteur d'un parcours patient, quel que soit son métier, sa discipline, pourra rompre son isolement, faire part de ses difficultés d'intervention et exprimer son besoin de s'associer avec d'autres ressources, mais sans savoir qui et quand, comment la mobiliser. Cette démarche était déjà soutenue par la plateforme de santé Sud-Isère de la MRSI, qui œuvrait en appui au niveau de la coordination territoriale existante. Elle a été renforcée et amplifiée par le soutien de l'interfilière gérontologique, qui a su l'exporter au sein de bassins de vie qui n'en possédaient pas. La difficulté était justement de fédérer des acteurs qui avaient des mêmes besoins, mais ne savaient pas justement au niveau ingénierie comment les constituer. Ces besoins communs étaient la perte d'autonomie, les troubles du comportement, le refus de soins, le refus d'aide. Et ces ressources de territoire avaient envie d'agir justement entre elles, en équipe. Pour avoir la légitimité de convier et aider à la coordination entre ces acteurs du sanitaire, du médico-social et du social, et garantir que chaque acteur à sa discipline est essentiel au parcours santé, le portage de ce processus des dynamiques des coordinations territoriales Sud-Isère devait être identifié comme neutre, interdisciplinaire, connaisseur de la réalité du domicile, de l'interaction ville-hôpital, crédible sur le principe de coordination. Ce portage a donc été tripartite, équipe mobile gériatrique du CHU de Grenoble, maison des réseaux de santé de l'Isère et la Maya Sud-Isère. Nous proposions de créer pour le territoire son staff de territoire, reposant sur des membres permanents locaux, libéraux, SIAD, SAD, service APA, soutenus par l'équipe mobile, la MRSI et la Maya, en tant que manager, facilitateur, interface, où lors de ces stages de territoire, des situations cliniques ont le droit d'être abordées dans un cadre juridique, déontologique et de confiance. Nous avons donc croisé nos contacts locaux, capitalisé tous les outils existants, une charte d'échange d'informations, des documents de présentation, un tableau de suivi de traçabilité, convié ensemble par bassin de vie où des coordinations territoriales n'existaient pas, des acteurs locaux, libéraux, professionnels de CCS, des SIA, des SA, des mandataires judiciaires, des pharmaciens, pour co-construire avec eux leurs modalités, leurs rencontres de coopération interprofessionnels propres à leur territoire avec notre soutien. Ensuite, nous avons réuni tous les acteurs qui avaient soit l'idée, le projet ou qui avaient déjà une coordination territoriale lors d'une assemblée générale de décoordination territoriale du Sud-Isère où l'échange de pratiques interterritoires était très riche.
une véritable communauté d'acteurs de coordination territoriale naissait. La méthode, elle est assez simple mais assez complexe. Recenser avec les acteurs locaux leurs freins à l'intervention, leur résistance, dialoguer, s'écouter, partager avec les acteurs locaux du parcours là où les ressources existantes et mobilisables pour y répondre, la modalité pour solliciter cette ressource, imaginer un plan B, voire C, faire une préconisation, acter que la problématique est évolutive et donc que la démarche d'accompagnement est palliative. Capitaliser, mutualiser les bonnes pratiques étaient les résultats de ces rencontres interprofessionnelles de proximité des coordinations territoriales. Alors le temps dédié, consacré pour que les acteurs y participent, demander à des acteurs, des libéraux non rémunérés sur ces temps de territoire qui manquent déjà de temps pour agir, de se rendre disponible, de venir pour expliciter une complexité, de dire « je suis en difficulté devant d'autres professionnels, d'autres disciplines », de rester à cette instance, à cette rencontre pour aider un autre acteur du parcours qui expose sa complexité d'intervention auprès d'un patient qui ne le concerne pas cliniquement. Cette demande semblait impossible sur le papier. Notre réussite a été de prendre en charge l'intégralité de toute l'organisation de ces coordinations territoriales émergentes, une fois que les acteurs s'étaient concertés avec notre soutien. Il fallait au préalable codéfinir la zone de couverture géographique, la rythmique acceptable, 4 fois par an, 2 fois tous les 2 mois, le moment, généralement 14h, 15h30, on se réunissait lors des coupures détournées des IDE pour qu'elles soient présentes, coécrire une charte d'échange et de partage d'informations et la faire signer par chaque professionnel participant en tant que personne et non en tant que structure. Inviter, animer, convier des ressources complémentaires au vu des problématiques identifiées, compiler et partager à tous les acteurs du bassin de vie, même ceux non présents, les bonnes pratiques identifiées étaient notre rôle d'animation territoriale et nous leur demandions, dans un premier temps, que de venir et de parler de leurs difficultés d'intervention. De plus, face au fort sentiment d'isolement des professionnels confrontés des fois à l'empêchement de leur intervention vu les refus d'aide, de soins et les troubles du comportement, leur moment de rencontre de ces coordinations territoriales apparaissait comme un moment de pause, sans jugement, où le professionnel pouvait prendre du recul avec d'autres interlocuteurs que ses collaborateurs directs du quotidien. Autre difficulté, ne pas arriver en imposant un modèle, simplement être dans une posture humble d'animation territoriale, co-construire avec les acteurs leur outil local. Le défi était donc de poser un principe de non-leadership par tel ou tel acteur, mais un portage tripartite, équipe mobile, gériatrique, MRSI et Maya. Deux dernières vigilances aussi, les droits du patient et le secret partagé. Le patient ou son aidant principal devait être informé que ce staff de territoire avait lieu et que seraient explicitées des composantes de la situation pour que le professionnel parvienne à intervenir plus qualitativement. Le patient pouvait refuser. Le secret partagé nécessitait de sensibiliser tous les acteurs du parcours sur les conditions de l'échange et du partage de l'information selon le cadre législatif. Cette expérience est tout à fait transposable parce que justement, elle a été transposée sur d'autres territoires. Alors oui, le défi était possible parce que justement, les ressources, les personnes, les histoires partenariales sont toutes à chaque fois différentes sur chaque bassin de vie. La vigilance qu'il faut avoir justement pour transposer sur d'autres territoires cette dynamique de coopération interprofessionnelle des coordinations territoriales est justement de travailler sur ce recueil de besoins et des pratiques existantes propres au territoire pour répondre aux situations complexes au domicile est indispensable. Ce recueil devra être fait par des acteurs légitimes et crédibles, déjà actifs en tant qu'acteurs du domicile. Notre condition du réussite pour nous, avec notre regard sur l'Isère, a été le trio magique qui facilitait justement l'accès à des ressources méconnues. Il faudrait en tout cas identifier une équipe mobile extra de l'établissement de santé de référence, un acteur identifié comme un acteur de soutien à la coordination type second recours et une équipe de département intervenant au domicile auprès d'adultes dépendants. La condition sine qua non pour transposer, c'est la condition en fait de valeur. Il faut rester humble, modeste, complémentaire, exigeant sur les droits du patient et le cadre de l'échange d'informations, promouvoir l'interdisciplinarité comme un prérequis à une concertation interdisciplinaire, rester dans la clinique de proximité et pas dans la politique, co-construire une confiance entre acteurs, être solidaire et co-responsable de la réussite de sa propre dynamique collective territoriale sont les ingrédients de notre réussite du déploiement des coordinations territoriales du Sud-Isère.